nyonso azalaka chef ya mutute azaka mwana musala lelo depuis makambo ya rame bandaki bako benga kabiso partout ezala tsangani boyo masinga mwambe ezala kindu manye makweto akutoke boyo shoka ikalungua mupini kabakia ezala kasai partout bazo benga kabiso likambu ya rame lelo tokati ba o bazali abilete ya kufutisa pako koloba ete pako wana bayebi yangote pambate article 174 de la constitution elobi boye elobi ke on ne peut pas établir taxe songolo pakala soki mobeko pesi yangote yango lelo toye na mbela ezaka ka population tende bazokata nini bazokata taxe wana ya ram ezape biso ba député nationaux ezape ba même chef de l'état je suis sûr qu'il y a un téléphone na yeba kataka il faut tokoka koyeba nani apesi yango les pouvoirs d'attribution soki mobeko epesi yo ndingisate ko sala yango te et puis ministre akoka koyeba sabiso mbongo wango azwi azali ko sala nango nini atango wapi kendaka na kesi nini nani a controle ka yango nani ayebi akoki koyeba sabiso montant total depuis babandaki ko kata ba congolais nyonso mbongo ekoti boni nani ayebi esika ezali eza soki kendaka na compte ya banque banque nini et compte ango numéro ango compte eza na kombo ya nani voilà mituna obiso tolingi toyeba ministre ya pétentique akoka ko répondre biso je dois dire merci d'abord na bureau ya assemblée nationale parce que balobaki ke ko banda lelo chaque mercredi ko banda kozala contrôle parlementaire yango to bandi lelo na ministre ya pétentique lobi to kozongela makambu ya mai na courant et kozala lisusu awa lobi kuna ndenge boyebi na kozongela makambu ya petit commerce ba kongole bazozo ali sumbongo te loko moko te ministre ya économie akoka koyebisa biso pona nini ba kongole bazali kozwa misoloté ba kongole bazali kofuluka te ainsi de suite donc musala biso to sali en tant que bana misala ya peuple wana misala to kosala nde yango wana loko ya bozali bana misala ya peuple loko ye uchi koloba yo sikoyo tango boko tuna mituna na ministre soki ya na malonga ezali te nini tokoki kozela penza bako longola mpaku yango tope boni penza te eza boye biso eza mobeko nde mto kosala eloko mobeko na biso elobi nini tokobengisa ministre soki aye totuni ye mutuna ye a répondre biso alobi voilà bandeko mbongo tozozwa tozosala nango boyeboyeboye soki aconvaincre badepute totiki akei soki aconvaincre badepute te wana tosengage sur la voie de la sanction oyo balobi c'est-à-dire tokokota na nzela yake soit ministre akokweya soit ekozala ndenge nini to azwa etumbu na ye mais soki aconvaincre bahonorable député alobi voilà 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 et que c'est transparent bongo akotikala na ye problème ekozala te bandeko balandi ya solo bouti wana kolanda maloba ya honorable Eliezer kasi tozali be kokoba koyoka ndimbola ya bakilimibeko na mokoma lelo honorable Jean-Pierre Kayembe wetoamabanikita wajitunga twambila mwanda kayo jimukala uhitaka na lelo batwambili wasi nivikala vavikila mmena jimukala otangila mianda ya twamoto alwalo mwanda wajitunga jitu mbwakumukujika nkongu mbwakumanyi chinganyi chikala chivitakana nkwachinendwamuti twasekijila wabungi buvitikala twakuikubikila ministre wa twamoto alwalo lelwewu mbwalo bwa bana babene kongo mbaye kutata bikolo niyikumunani kokaji kwenza kambija matuku mulongolongo udi bana bamwena kongo bikala bamuna mutu wamoto wabutu alwalo bayikuba kuse bisunsa anyini te kabaye babambileni babakusela chinganyi to bati babakusa nanku bakosa bakosa kadi ni tesi makutas et puis kongo munena paji bakusetina baji ku baji kukana baji kumbuje mai baji kumwana jitu baji kumambambui baba kosa tusunza tuchana nko kaba baba mbili mbachi ntutu kosa to bati bika baba benzela bibi ya rekibo ya tuba babi ki jisha ministre ba twa mbilani chiji bakukosa le menena chin makuta bwalu makuta ji wangata makuta utu kwanza na uchi bwalu bwalu ntuba mbiki na bobo nje ujishinga ji ikala yomwa kuno ambile jishinganje nukwase bakosa bitaji abika bikiti bikitakana ko bidanji babima nikanyesha tungulu kamuni chikose ya bitaji chitaji chonso bajiba chenza kujimeni mikando bantu bamanye ni kujichitaji kampande chichibaye ko weza tujitu chifuta mushindo kampande echi chitaji chulambia chichimpinu kweu fikala tikeno tukonga kato tutu chimanika anyi tujumwa kumwipatamena kubu ministre honorable député chers collègues la vérification du quorum
renseigne que 252 honorables députés sont présents. Le quorum requis pour siéger est atteint. Chers collègues, pour nos travaux de ce jour, nous avons, entre autres comme matière, une initiative de contrôle parlementaire d'un de nos collègues pour laquelle votre bureau a invité le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication à prendre part à nos travaux. Si la même matière, par probité intellectuelle, je dois dire que le collègue Munobo avait également déposé auprès du bureau une question oral avec débat sur les rames, mais sa question est venue après celle de notre collègue Massir. Je demande au service du protocole de faire entrer dans l'hémicycle les ministres de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, y compris Madame la ministre des Relations avec le Parlement. S'il y a d'autres membres du gouvernement, ils peuvent également entrer dans l'hémicycle. Protocole exécuté. Motion. Motion de quoi? Motion de... Incidentiel, oui, prenez la parole. Incidentiel. Regardez la motion incidentielle. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, c'est avec regret que je constate que même les courriers sont sélectifs. En date du 3 mai 2021, j'ai déposé à votre bureau, accusé de réception faisant foi, une question orale avec débat sur la taxe RAN. Mais malheureusement, je viens d'entendre que il n'y a que deux collègues qui ont déposé leurs questions orales avec débat à votre bureau. Peut-être que c'est une erreur. Je souhaite que, président, vous puissiez rectifier parce que ma question a été déposée le 3 mai 2021 et celle que nous sommes en train de nous voulons discuter maintenant est déposée le 10 septembre et accusé réception chez le rapporteur le 28 septembre 2021. Chers collègues, à vous de juger. Je voudrais, honorable président, que vous puissiez essayer un peu de remédier à cette situation parce que ça ne nous honore pas. J'attends votre réponse, honorable président, et je vous remercie. Avant de continuer. Restez là, restez là.
Collègue, restez là. Venez là. Oui, président. Vous êtes quelle date? C'est quelle date? C'est le 3 mai 2021. 3 mai 2021. Et mon collègue a déposé le 18 septembre 2021. C'était un rappel, non? Non, non. Et puis, ce qui est bizarre, honorable président. C'est un rappel, madame. S'il vous plaît, président. Ce qui est bizarre, c'est que le collègue a écrit le 3 mai, mais il a déposé son accusé de réception, c'est le 18 septembre. Alors, mais non, mais donnez alors, donnez la lettre d'accusé de réception, la première lettre. Amenez. Honorable, merci, président. Honorable. Il avait déposé avant vous. Suivez-moi très bien. Suivez, s'il vous plaît. Il avait déposé avant vous. Par après, il a rappelé et il a annexé à la nouvelle, à la demande actuelle, l'ancienne demande. Voilà ce qui s'était passé. Mais, honorable président, non, même citer les noms tout simplement. Non, vous voulez que je vous cite aussi? Non. Vous voulez que je vous cite aussi? Honorable, s'il vous plaît, nous pouvons avoir l'accusé de réception de notre collègue du 3 mars. Donnez-nous! Nous voulons avoir l'accusé de réception. Amenez. Honorable, rentrez à votre place. Hein? Voilà. On ajoute à la liste l'honorable Massi. Non, attendez. L'honorable Mounoumbo et l'honorable Magui Kiala. Voilà les trois collègues qui se sont adressés au bureau à deux moments différents, à des dates différentes, mais le règlement intérieur dit quand il y a trois ou deux collègues qui interviennent sur une même matière, alors soit on choisit la première, celle qui a été intérieure, le courrier qui est venu avant, soit on les met ensemble. Voilà, c'est ça le règlement intérieur. Nous vous avons cité, calmez-vous maintenant. Et suivons nos travaux. Madame, Monsieur le Ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre disponibilité. Chers collègues, le projet d'ordre du jour de notre séance comporte le point ci-après. Le premier point, adoption de l'ordre du jour. Le deuxième point, c'est le contrôle parlementaire. Un, par l'audition de la question orale avec débat adressée au ministre des Postes
télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par l'honorable Missare Mugoberwa Claude, au sujet de la taxe des registres d'appareils mobiles, RAM en sigle. 2. Audition du rapport synthèse de la Commission Défense et Sécurité relatif aux auditions des membres du gouvernement sur l'évaluation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, telle que prorogée à ce jour. Cette séance se déroulera à huis clos. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de cet ordre du jour. Qui sont pour? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'ordre du jour est adopté. Nous passons directement à l'audition de la question orale avec débat. Conformément à la procédure prévue par l'article 178 de notre règlement intérieur, nous accordons la parole à notre collègue pour poser la question. Mais je voudrais rafraîchir la mémoire des collègues. Il faut qu'on lise l'article. Honorable rapporteur, lisez-nous l'article 178. Pour rafraîchir tout simplement notre mémoire. Merci pour la parole, honorable président. Lorsque la question orale donne lieu à un débat, après l'exposé de l'auteur de la question et la réponse du membre du gouvernement ou du gestionnaire de l'entreprise publique, de l'établissement ou du service public, le président de la séance organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits, à raison d'un député par groupe parlementaire et d'un député non inscrit. Il donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il impartit et qui ne peut dépasser 5 minutes. L'auteur de la question ouvre les débats. La parole est retirée à tout celui qui s'écarte de l'objet de la question orale par le président de la séance. Après la réplique du membre du gouvernement ou du gestionnaire de l'entreprise publique, de l'établissement ou du service public, le président redonne la parole à l'auteur de la question pour conclure pendant 10 minutes. Le débat n'est suivi d'aucun vote. Merci, honorable président. Merci. L'initiateur de la question orale avec débat. Collègue, vous avez la parole. Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole.
Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues. Nous sommes très honorés ce jour de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour porter cette question qui préoccupe la nation congolaise tout entière après plus de 4 mois de suspense. Par cette occasion, honorable président, nous remercions le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir matérialisé son engagement pris lors de l'ouverture de cette session parlementaire, en l'occurrence, faire un contrôle parlementaire sérieux. Honorable président de l'Assemblée nationale, en programmant cette question parlementaire, dont la suite est très attendue par toute la population congolaise, victime de l'attaque Seram, vous venez de sauver l'image de l'Assemblée nationale. En effet, la population congolaise est très choquée du prélèvement automatique et régulier des crédits dans leur téléphone par les opérateurs des réseaux mobiles, même après avoir reçu un message confirmant le paiement complet de la taxe Seram. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, après avoir constaté le caractère illégal de la taxe Seram, une grande tension populaire sur toute l'étendue du territoire national, en tant qu'élu du peuple congolais, nous avions décidé d'initier la question orale avec débat relative à la taxe Seram, conformément aux dispositions des articles 100 et 138 de la Constitution, des articles 168, 169, 170 et 175 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, afin que le ministre sectoriel ici présent vienne apporter des éclaircissements sincères sur cette fameuse taxe considérée par plus d'un Congolais comme une escroquerie bien organisée en faveur de l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Avec votre autorisation, honorable président, permettez-moi de faire lecture de la dite question parlementaire qui fera l'objet du débat en ce jour. Transmis copie pour information à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération à Kinshasa Gombe, concerne question orale avec débat relative à la taxe Seram. À son Excellence Monsieur le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication à Kinshasa. Excellences, Monsieur le ministre, conformément aux dispositions des articles 100, 138 de la Constitution et des articles 168, 169, 175, alinéa 1er et 2e du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de vous adresser cette question orale avec débat. En effet, depuis juin 2020, vous avez décidé de mettre en place un système CEIR afin de lutter contre la contrefaçon et le vol des appareils mobiles. Pour accomplir la mission d'enregistrement des appareils mobiles, une taxe payable à 6 échéances a été fixée en faveur de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, alors qu'un simple enregistrement de l'appareil mobile devrait se faire gratuitement et cela une seule fois pour toutes. Par ailleurs, depuis que les opérateurs des réseaux mobiles ont commencé à retrancher mensuellement dans les appareils mobiles de leurs clients, ces derniers se plaignent contre cette taxe incompréhensible jusqu'à ce jour à cause de son coût très élevé et de l'absence de contrepartie. C'est pourquoi,
dans le but d'éclairer la lanterne de la représentation nationale que nous sommes sur cette taxe, je voudrais la clarification aux questions ci-après. Première question, combien d'utilisateurs d'appareils mobiles avez-vous enregistrés durant les 6 derniers mois, monsieur le ministre? Quel est le bilan actuel de la mise en place du système CEIR en République démocratique du Congo? 3. Pourquoi un simple enregistrement d'appareils mobiles peut-il être transformé en une taxe qui vient alourdir la charge d'utilisation du téléphone mobile? 4. Si la mission de la taxe RAM est aussi de contribuer à la maximisation des recettes publiques, pourquoi les droits d'enregistrement email ne devraient pas être payés en 12 échéances? Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Merci, honorable président, pour la parole. Merci, honorable député, chers collègues. Chers collègues, vous venez de suivre la question posée par notre collègue Massiri à monsieur le ministre Missare à monsieur le ministre des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. À présent, la parole revient à monsieur le ministre pour répondre à la question lui poser. Nous allons suivre attentivement la réponse de monsieur le ministre. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable président. On désinfecte d'abord, désinfecté. C'est déjà désinfecté? On a désinfecté? Ici, oui? Merci beaucoup pour la parole, honorable président. Honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, c'est pour moi un réel privilège de me présenter devant vous en tant que membre de votre gouvernement en ma qualité de ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PTINTIC en sigle, pour répondre à la question orale avec débat initiée par l'honorable Missare Mugomberwa Claude. Je vous remercie très sincèrement pour cette opportunité que vous m'accordez d'échanger avec vous dans un esprit républicain sur une question du registre des appareils mobiles RAM en sigle. Mes remerciements s'adressent particulièrement à l'honorable Missare Mugomberwa Claude, auteur de cette question avec débat, pour avoir fait usage de ses prérogatives parlementaires. Sans prétention aucune, chers élus légitimes du peuple, je trouve ici et déjà maintenant une occasion propice d'apporter un éclairage suffisant sur le dossier RAM. Avant de répondre aux questions principales, permettez-moi, auguste assemblée, de commencer par quelques notions qui nous permettraient d'avoir le même niveau d'information sur ce sujet, ce projet du gouvernement. Le RAM est un registre central qui contient la base des données de tous les emails
connectés au réseau des opérateurs téléphones mobiles opérant en République démocratique du Congo. L'IMEI est l'acronyme de International Mobile Equipment Identity, en d'autres termes, Identité internationale d'équipement mobile. C'est un numéro unique de 15 ou 17 chiffres permettant à l'opérateur d'identifier l'appareil mobile. Chaque appareil mobile dispose d'un numéro IMEI qui permet de l'identifier de manière unique, indépendamment de la carte SIM, à partir de laquelle le téléphone est connecté au réseau. L'enregistrement au RAM se fait de manière automatique. Cela veut dire que toute connexion d'un appareil au réseau téléphonique mobile congolais constitue d'office un enregistrement dans la base de données. La communauté mondiale des opérateurs de réseau GSM, regroupée au sein du GSMA, a décidé de mettre en œuvre un système central, CUR, Central Equipment Identity Register, hébergé à Dublin, en Irlande. Ce dernier permet à tous les opérateurs d'obtenir à tout moment la liste des emails des appareils GSM signalés dans le monde entier comme ayant été volés afin d'interdire l'accès à leur réseau. Le système CER permet de contrôler l'accès aux réseaux nationaux de téléphonie mobile via la classification des numéros email en liste blanche, grise ou noire. Chaque appareil mobile, pour autant qu'il dispose d'un numéro email valide, est catégorisé blanc initialement. En cas de vol ou de perte, l'utilisateur du téléphone peut requérir de son opérateur qu'il demande au système CER de bloquer le numéro email en question. Le numéro email entre alors dans la catégorie noire. Une telle catégorisation empêche toute reconnexion au réseau de l'appareil mobile classé noir. Le système CER, en ce qu'il se base sur le numéro email, permet également de refuser les appareils mobiles illégaux ou contrefaits dès lors que ces derniers ne disposent pas d'un numéro email. La GSMA détient la base de données mondiale des numéros email qui centralise tous les systèmes CER nationaux affiliés. En cas de blocage d'un numéro email dans un pays donné, la base de données locale communique automatiquement l'information à la base de données mondiale. Ceci a pour effet d'empêcher la reconnexion du téléphone concerné dans d'autres pays. Autrement dit, comme les terminaux mobiles sont devenus plus sophistiqués et plus coûteux, ils sont devenus aussi plus attrayants pour les voleurs. De plus, vu la dimension internationale du système GSM et du trafic d'appareils mobiles, volés ou contrefaits, cela peut facilement dépasser nos frontières. Nous participons donc à une lutte mondiale contre la contrefaçon des vols d'appareils. Le cadre international, la mise en place d'un système CER national est recommandée par l'Union internationale des télécommunications, qui est un organe spécialisé des Nations Unies, fondé en 1865, en vue de faciliter la connectivité internationale des réseaux de télécommunications basés en Suisse, à Genève. En Afrique, les pays de l'EACO sont arrivés à la conclusion que l'interpénétration d'un système CER national est recommandée, et ce, afin de combattre la fraude et le vol liés au téléphone mobile. Le système CER est déjà en place dans bon nombre de pays, en ce qui comprend les pays voisins à la RDC, comme la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda. Dans notre pays, le CER a été officiellement lancé le 24 septembre 2020. Les opérateurs mobiles œuvrant en RDC connaissent le système CER. Dès lors, dans d'autres pays où ces appareils sont actifs, un tel système est déjà mis en place et il s'y accommode. L'Inde pour Airtel, l'Afrique du Sud pour Vodacom, la France pour Orange ou encore l'Ouganda pour Africell. À présent, nous allons voir les aspects légaux et réglementaires. Parce qu'il est vrai que
L'honorable a dit que la taxe, enfin ce qu'il a appelé taxe, je vais clarifier tout à l'heure, était illégal. En effet, dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, le régulateur des télécoms est en charge de la mise en place du système CER, que nous appelons ici chez nous le registre d'appareils mobiles. Cette compétence trouve sa source dans la loi numéro 014-2002 du 16 octobre 2002, en son article 3, alinéa F, portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Sur base de la décision 053-ARPTC-CLG-2016 du 16 juillet 2016 du collège de l'ARPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro IMEI, l'ARPTC a mis en place les 10 systèmes en République démocratique du Congo. En conséquence, il a été décidé par le gouvernement une participation financière des utilisateurs des appareils mobiles pour la mise en place et la maintenance du système CER ou RAM via la protection des droits d'enregistrement d'accès à ce registre des appareils mobiles pour bénéficier de la protection qu'il apporte contre les vols et la contrefaçon des appareils mobiles. Ces droits d'enregistrement reviennent à l'ARPTC et constituent sa rémunération en échange de ses prestations relatives à la certification des appareils mobiles par le truchement du système CIR. Dans ce cadre, le Premier ministre a pris en date du 9 mars 2020 le décret numéro 020-005 modifiant et complétant le décret 012-15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et des taux des revenus de prestation de l'ARPTC conformément à la loi numéro 014-2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARPTC, plus précisément en son article 21 qui dispose « L'autorité de régulation dispose des ressources ordinaires et extraordinaires ». Les ressources ordinaires comprennent, ça nous sommes donc dans l'article 21 de la loi, les revenus de ces prestations, B, les produits des frais administratifs liés à l'étude des dossiers d'octroi ou de renouvellement de licence et ou d'autorisation d'agrément des équipements terminaux et, plus généralement, le produit de toutes ces redevances en relation avec la mission de l'autorité de régulation. C, la taxe de numérotation, D, la taxe de régulation et les taxes parafiscales autorisées par la loi financière. L'alinéa 3 du même article renchérit que les modalités de calcul, les taux et les montants des redevances et autres rémunérations constituant les ressources ordinaires de l'autorité de régulation sont fixées par un décret pris par le Premier ministre. Le droit d'enregistrement du RAM trouve son fondement réglementaire dans le décret numéro 020-005 du 9 mars 2020, modifié et complété par le décret, complétant le décret 012-15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'ARPTC et l'arrêté ministériel numéro K/MIN/PETENTIC/AKIM/KL/KBS/002/2020 du 10 juin 2020, portant mise en place du système CER en République démocratique du Congo, comme je l'ai évoqué si haut. Quels sont les avantages? Le système CER vise à dissuader les vols de téléphone, véritable fléau en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Collègues, monsieur le ministre, de patienter. Honorable député, chers collègues, thank you.
Collègue. Collègue, silence. S'il vous plaît. S'il vous plaît, collègue. Public, public, vous n'avez pas droit à la parole. Le public, non. Sinon, je vous fais sortir. Le public, taisez-vous. Silence, s'il vous plaît. La police. Silence. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence. Silence et asseyez-vous. Rentrez derrière et asseyez-vous. Oui. On les évacue et on ferme les portes. Petit peuple qui est en train de souffrir. Fermez les portes. Le et le public, asseyez-vous derrière. Restez assis, s'il vous plaît. Il demande tout simplement aux agents de l'ordre. Laissez les honorables assumer leur mission. Laissez les honorables travailler dignement. Public, restez assis, sinon je vous fais sortir. Collègue, asseyez-vous. Collègue, restez assis, s'il vous plaît. Collègue, restez assis pour la sérénité du débat. Restez assis. Collègue, silence, s'il vous plaît. Calmez-vous, collègue, s'il vous plaît. Calmez-vous, pardon. Pardon, papa, pardon. Merci, merci. Collègue, restez serein. Le sujet est important. Hein? Alors, restez calme. Restez serein, collègue, pardon, s'il vous plaît. Silence maintenant. Personne n'entre, fermez nos portes. Laissez la représentation nationale assumer dignement sa mission. Ne venez pas troubler l'ordre. Collègue, asseyez-vous. Engelemba, collègue. Ndegnanda, Sanda, pardon. Bon, Nico.
Fanda, papa. Monsieur le ministre, on poursuit. Merci beaucoup. Vous prenez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vu le caractère indispensable qu'a pris le téléphone mobile, au fil des années, on constate que leurs propriétaires sont de plus en plus enclins à débourser de l'argent en forme de rançon s'il le faut, ou même de prendre des risques inconsidérés pour pouvoir récupérer son téléphone volé. En outre, grâce au système CER, les appareils perdus ou volés peuvent être retracés et l'information communiquée à la police pour des mesures conséquentes. Il prévient et combat la contrefaçon et l'utilisation de téléphones contrefaits. Ces derniers, en plus d'être susceptibles de mettre en danger la santé de leurs utilisateurs, impactent négativement sur la disponibilité, l'accessibilité et la performance des réseaux mobiles. Ils sont également d'une courte durée de vie. Comme dit si haut, le CER permettra également aux acteurs en matière de sécurité et de sûreté de l'État un meilleur contrôle de la circulation et de la localisation des appareils mobiles à problème sur le territoire national. Au regard du pouvoir d'achat du consommateur congolais, le gouvernement a fixé le droit d'enregistrement à 1 dollar l'an pour les utilisateurs disposant d'un appareil basique, c'est-à-dire 2G et moins, et de 7 dollars l'an pour les utilisateurs des appareils 3G et 4G. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple, pour revenir à présent aux questions de l'honorable Missare Mugombera Claude, auteur de la question orale avec débat, permettez-moi de vous apporter la lumière quant à ce. Première question, combien d'utilisateurs d'appareils mobiles avez-vous enregistrés durant les 6 derniers mois? Pour les 6 derniers mois, le RAM nous a permis d'identifier 38 108 106 appareils mobiles, dont 26 millions. Ah, je répète, d'accord. 38 108 106 appareils mobiles, dont 26 675 675 appareils 2G et 11 432 431 appareils 3G et plus. Ici est de noter que le système RAM a permis d'identifier 17 514 777 appareils originaux et uniques. 14 750 355 appareils clonés. Ici, je vais rapidement essayer d'éclaircir. Appareils clonés, ça veut dire des appareils qui ont cloné l'email d'un autre appareil. Malheureusement, ça se fait dans, cette industrie. Et 5 842 974 appareils non conformes. S'il faut classer ces données par catégorie d'appareils, le RAM a permis d'identifier 12 260 344 appareils 2G originaux et uniques, 2 millions 325 000. C'est comme s'il y a un problème qui se pose derrière là. Les autres sont pour et
d'autres publics qui sont restés est en train de soutenir. Honorable député, collègue, on va donner lecture des dispositions qui régit la tenue des séances dans la en plénière en ce qui concerne les publics. Il faut lire ça, Nora rapporteur. Si vous applaudissez encore, nous allons vous faire sortir. Alors, le président demande aux publics qui sont venus assister à la plénière d'aujourd'hui de rester calme. Les groupes qui étaient contre sont déjà sortis ici. Les publics qui sont restés en train de soutenir le ministre de Pétainty qui faisait déjà la réplique aux nombreuses préoccupations soulevées par l'auteur de cette question orale, sur la taxe RAM. Et ils sont en train de soutenir le ministre de Pétainty. Et les élus du peuple ne sont pas d'accord. Le public qui sont censé venir assister à cette plénière doivent rester calme et observer comment la plénière s'est passée. Restez assis, hein. Et on va donner l'équipe de disposition. Allez-y, collègues. Le public n'applaudit pas à l'Assemblée nationale. Il est interdit à toute personne non revêtue de la qualité de parlementaire de prendre place dans l'air réservé aux députés. Si nécessaire, seul PVI circuler, les personnes autorisées à savoir, les personnels politiques et administratifs de l'Assemblée nationale, les assistants des députés ainsi que les membres de la presse et les protocoles accrédités portaient des macarons d'identification visible. Les invités aux travaux de l'Assemblée nationale ainsi que les hôtes de la Chambre s'installent derrière la partie réservée aux députés. Les publics s'installent au balcon, à concurrence des places assises disponibles. Pendant la séance publique, les personnes placées au balcon portent une tenue décente. Elles restent assises, découvertes et en silence. Aucune banderole, aucun calicot, aucun instrument de musique, aucune marque de propagande quelconque n'est admise dans la salle. Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion sera réduite devant l'autorité aux fins des poursuites judiciaires. Sans préjudice des poursuites judiciaires, les contrevenants aux dispositions ci-dessus sera expulsé de la salle par les forces de l'ordre. Les dispositions du présent article sont libellées sous forme de communiqués affichés aux différentes portes d'accès aux tribunes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, honorable rapporteur. Je crois que le public a bien compris. Si vous criez encore, nous allons vous faire sortir. Monsieur le ministre, reprenez la parole.
Merci beaucoup, honorable président. S'il faut classer ces données par catégorie d'appareils, le RAM a permis d'identifier 12 260 344 appareils 2G originaux et uniques, 10 325 249 appareils 2G clonés, 4 90 082 appareils 2G non conformes, 5 254 433 appareils 3G originaux et uniques, 4 425 106 appareils 3G clonés et 1 752 892 appareils 3G non conformes, 3G, 4G non conformes. La deuxième question de l'honorable, quel est le bilan actuel de la mise en place du système CER en République démocratique du Congo? Le système CER a permis à l'autorité de régulation de Poste Télécom de disposer d'un premier moyen de contrôle connecté en permanence au système des opérateurs, allant jusqu'à réconcilier les bases de données sur les identifications des utilisateurs des SIM dans les réseaux GSM congolais. Ici, je dois souligner que c'est la première fois que cela se fait, véritablement, parce qu'il y a eu toujours des résistances des opérateurs à ce stade. À ce jour, en termes de recettes, le RAM a produit 25 011 000 $. Ce montant représente les revenus consolidés des opérateurs. Merci. Jusqu'à ce jour, le service de call center de l'RPTC a enregistré 585 cas de téléphone volés ou perdus, mais le système CER nous a permis de bloquer 300 appareils du fait d'une part de la résistance des opérateurs des réseaux mobiles vis-à-vis du système, de peur de voir le régulateur de télécom se connecter à leurs infrastructures. D'autre part, du temps d'approximation des utilisateurs victimes des cas précités, de la procédure de blocage des appareils volés ou perdus sur tous les réseaux GSM en même temps et du temps de l'implémentation de la prise en charge de ces cas dans le chef des opérateurs GSM. Une campagne permanente d'information des utilisateurs des appareils GSM, les invitant pour leur propre sécurité et leur propre santé à vérifier gratuitement que les téléphones ne sont pas contrefaits et en cours, leur permettant de les changer à temps et avant septembre 2022, date à laquelle ils ne seront plus autorisés sur les réseaux cellulaires congolais. Les téléphones multisim ayant fait l'objet d'un double prélèvement, je crois que l'honorable en a parlé tout à l'heure dans son préambule, seront exemptés au prorata du surplus prélevé pour l'année 2021-2022. Ici, je dois dire à la représentation nationale que nous avons constaté effectivement que certains téléphones qui ont plusieurs SIM ont eu un prélèvement qui va au-delà de double prélèvement, oui, effectivement. Mais je dois vous rassurer, pour ceux qui ont eu un double prélèvement, l'année prochaine, ils n'auront pas à payer la rente. Le projet RAM, en plus de la certification des appareils mobiles, est associé à un plan d'urgence d'accélération du numérique, vecteur de croissance et de développement de notre pays. Ces avantages en termes de gains de temps, d'efficacité et de connaissances, d'argent, n'étant plus à démontrer. Le RAM a permis l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement avec le projet SIMTED
Collègues, 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 vous allez intervenir après, calmez-vous. Laissez les ministres poursuivre. Je disais... Attendez, vous allez intervenir, collègues. Je disais, le RAM a permis l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement avec le projet Synted, mêlant les ministères de l'EPST, de l'ESU et de Pétintic en vue d'interconnecter des entités éducatives telles que les universités, les instituts supérieurs, les écoles primaires et secondaires, afin de leur permettre d'accéder à du contenu éducatif certifié à travers une plateforme numérique facilitant leur gestion administrative et leur offrant les services numériques innovants. Cette plateforme va couvrir les fonctions et éléments ci-après. Premièrement, les cours à distance. Deuxièmement, bibliothèque virtuelle. Troisièmement, la visioconférence. Quatrièmement, le suivi intégral du parcours scolaire. Cinquièmement, la gestion administrative de l'établissement. Sixièmement, la génération de titres scolaires sécurisés. Et ici, je dois dire que pour la première fois, nos lauréats aux examens d'État n'auront plus à attendre des mois pour avoir leur attestation et pourront le télécharger directement. Génération des cadres, des cartes d'élèves, archivage électronique, contenu pédagogique officiel, manuel pédagogique, publication des résultats des sessions et titres scolaires électroniques, communication digitale entre écoles et élèves ou parents, entre bureaux gestionnaires et leur hiérarchie, rapport de gestion et diffusion des statistiques, système de paiement mobile des frais scolaires. C'est dans ce cadre que deux protocoles d'accord ont été signés par les projets Système d'interconnexion des entités éducatives, Synted en sigle, entre l'EPST, l'ESU et le ministère de Pétintic, accompagné par l'ARPTC et SchoolApp, qui est une start-up congolaise. Cette société a plusieurs fois été primée, mettant en œuvre ses facilités numériques. Dans le prolongement du CERAM, d'autres projets destinés à nos concitoyens ont été lancés, notamment le projet Wi-Fi RAM gratuit avec 8 sites déjà opérationnels à Kinshasa. Il s'agit de l'Unikin, de l'ISTA, de l'INBTP, de l'IFASIC, de l'ISP Gombe, de l'UPN, du rond-point magasin et dernièrement de l'aéroport international de Njin. Les travaux étant en cours, pour 126 sites opérationnels en République démocratique du Congo seront prêts d'ici décembre 2021. L'objectif est de couvrir l'ensemble du pays avec 500 sites connectés d'ici 2022 et de créer des utilisateurs bénéficiaires abondamment actifs sur le numérique en vue de leur faciliter le quotidien, de concourir au développement rapide de l'économie dans notre pays pour rattraper notre retard numérique et capitaliser significativement sur notre potentiel démographique, notre position stratégique en Afrique centrale et notre dynamisme économique pour l'amélioration de la qualité de vie de tous nos compatriotes. Ce service Wi-Fi RAM gratuit permet déjà aux utilisateurs réguliers de gagner significativement plus que ce que leur coûte le RAM grâce aux bénéfices téléchargeables qui sont libres de s'offrir quand ils le souhaitent. Un système de géolocalisation et tracking des appareils volés en collaboration avec la police sera implémenté d'ici janvier 2022 et permettra de répondre à la problématique d'enlèvement et de paiement de rançon par les biais de la monnaie mobile. À moyen terme, nous planifions un accompagnement dans le cadre de l'installation d'une usine de montage de téléphones mobiles en RDC. Question 3. Pourquoi un simple enregistrement d'appareils mobiles peut-il être transformé en taxe
qui vient alourdir la charge de l'utilisateur des appareils mobiles. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple, il ne s'agit pas d'une taxe, mais d'une rémunération pour les services et prestations fournis par l'ARPTC dans le cadre de l'implémentation, la gestion et la maintenance du CER. Comme dit précédemment, il ne s'agit pas non plus d'un simple enregistrement. Les droits d'enregistrement e-mail payés par les utilisateurs des appareils mobiles trouvent en effet leur base juridique dans le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 du Premier ministre modifiant et complétant le décret 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calculer les taux des revenus de prestations de l'ARPTC et de l'arrêté ministériel numéro CAB/MINE/PETENTIC/HAKIM/KL/KBS/002 du 10 juin 2020 portant mise en place du système CER en République démocratique du Congo. Y voir de plus près la fixation des montants impliqués a tenu compte des charges des utilisateurs en catégorisant les paiements 1 dollar lent pour les appareils 2G, 7 dollars lent pour les appareils 3G et 4G. Dans d'autres pays, le système CER est implémenté sans catégoriser la ponction par rapport aux générations d'appareils mobiles. Par exemple, il s'agit de 10 dollars en Zambie, de 15 dollars en Tunisie, de 32% du coût de téléphone au Cameroun, de 212 dollars l'an en Turquie, pour ne citer que cela. Répondant à la philosophie du peuple d'abord, nous avons donc tenu compte du pouvoir d'achat de notre population en demandant le travail, peu de travail à fournir face aux bénéfices importants qu'ils apporteraient à l'État congolais dans la marche inévitable vers la 5G et l'inclusion numérique doit être forcée parce que bénéfique pour tous. À terme, les mêmes proportions, les externalités du RAM engendreront un allègement des charges d'utilisation d'un appareil mobile grâce à l'assainissement du secteur que le RAM implique. Question 4. Si la mission de la taxe RAM est aussi de contribuer à la maximisation des recettes publiques, pourquoi le droit d'enregistrement e-mail ne devrait pas être payé en 12 échéances? Comme je l'ai dit si haut, les droits d'enregistrement e-mail ne sont pas une taxe, mais une rémunération de l'autorité de régulation de postes télécoms pour les services et prestations fournis par cette dernière dans le cadre de l'implémentation, la gestion et la maintenance du CER. Toutefois, nous remercions l'honorable Missare Mugombera Claude pour son apport en rapport avec les échéances. Il a souhaité que nous passions à 12, mais je dois dire qu'à ce sujet, l'ARPTC est constamment en examen des réactions de la population au regard de l'évolution du projet RAM pour alléger ce dernier au fur et à mesure de son exploitation et de son implémentation. La longueur de paiement a été allongée à 10 mois sur un an, donc les montants ponctionnés ont été réduits respectivement à 10 centimes pour le téléphone 2G au lieu de 17 centimes et à 70 centimes pour le téléphone 3G et plus au lieu de 1,17 $. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple, pour clôturer mon propos, je voudrais humblement rappeler à l'intention de l'Auguste Assemblée que la mise en œuvre du CER, qui a fait l'objet de la présente question orale avec débat, nous adressée par l'honorable Missare Mugombera Claude, est un mécanisme salutaire pour le développement et la sécurité du secteur du numérique ainsi que des utilisateurs de téléphones mobiles dans notre pays. Mon ministère demeure ouvert quant à l'accompagnement de l'Assemblée nationale à toute suggestion idoine à ce sujet, en plaidant pour que le financement du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, demandant la mise en place
d'autres mécanismes complémentaires de développement du numérique soient actionnés, tels que les fonds de services universels, car la tâche est grande et le bénéfice gigantesque. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci infiniment. Merci. Honorable député, chers collègues, après les réponses de monsieur le ministre, et comme l'a voulu l'auteur de la question, le débat est ouvert. Senga maloba pona kotuna mituna miso bazaina yango obolandeni bwanzimbola ye ministre wuchi kopesa na mayimatali mpaku ya rama feza kalongola azali apelokola akoyebisa na binyo lolenge kani makambo mazai kosai malokota la swahili feza kalongola jambo ya jambo bobeti bo keba nikusema kama tumapitikana hapa ku Palais du Peuple zaidi kwenye baraza la bunge mahali ambapo kilele kimefanyizwa chini ya uongozi wa presidenti wa baraza la bunge Christophe Mboso Kodia ambaye waziri wa pedetiki aliweza kukuandikwa hapo kwa kuweza kufasiria tu kuhusu mambo yenye kuangalia rame ambao wakongomani wamelia kabisa kama kusema kwamba rame imekata kabisa unité ya watu kwa wakati wote mtu anatia unité katika telefone yake utaona mara moja rame anakata ndio waziri Frederic Kibasa aliweza kualikwa hapo hapa la siria kutokana tu na jambo lilo la rame ni kuisha wakongomani wote ingawa viongozi wa nchi ndio kabisa anatoka kufasiria kutokana na rame tunaona ngambo ingine wateule wa kitaifa wanapana jina kwa jinsi wawezi kumuliza maulizo mbalimbali kutokana tu mafasirio yake yenye anatoka kufasiria kutokana na jambo lilo la rame yenye kulilisha wakongomani katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ambaye waziri amefasiria kabisa neno moja kwa moja ndio wateule wa kuweza kufurahika nayo wanasema kama wana maulizo ya kuweza kumuliza waziri kwa jinsi ya jibu kutokana tu na mafasirio yake ya kitendo lilo la rame yenye kulilisha wakongomani wote bobeti wa keba wakongomani wanalia kabisa kutokana na jambo lilo la rame ukaona kama unanunua una pesa zako matia imite kati ya phone yako utaona mara moja wanakukata yote unakuwa unatafuta tena namna nyingine pesa zingine za kuweza kununua nyingine credit kwa kuweza kutia katika simu yako ila ile yote inaleta kabisa shida kwa wakongomani ndio wateule wachaguliwa wa raia wa kubaki nyuma wanasema kwamba wataweza kusemea jambo lilo la rame wajue kabisa ukomo wa kukata watu initea wanatia katika phone yao wajue nini wanaweza rame na wakata kila mara ndio waziri alikuja kufasiria kwa wateule na tunaona hapa wateule wa kitaifa wamepana majina yao kwa kuweza kumuuliza maulizo mbalimbali waziri wa mwenye kuangalia mambo ya simu. Asante sana Feza Kalongola bande kobalandi na komona lolenge ba député bazali ko ningana ko wela ko pota mbangu pona ko pesa kombo pona ko kozwa maloba ya ko tuna motune zali ko talisa ete bango pe lokola biso bazali ko mitungisa ko milela lolenge ba unité ezali ko longwa tango iso fona di kambolie ba biangi ram yango wana bato banso bazali ko mitungisa lolenge honorable Eliezer Tambwe alobaki yango awa na ebandeli ya masomo biso malelo to ya msobolanda kiye lolenge ataisa ki yango
ram eye mpaku ya ram eponi motote bango ba honorable député ram balungula ka bango pe ba unité ayebisa kita akoli ka ete tata mokonzi ekolo pe balungula ka e ba unité yango wana moto nyoso azaina pasi ya mpaku ya ram wana talaka lulenge kani lelo moto nyoso azali penza na bosenga matoi pe miso ezali obe awa pona kulika koyeba pona nini paku ya ram mosolo mo yango ekendaka wapi banda babanda kolongola yango basali nini yango ezali kopesa bato moto pasi yango penza biso bansa tozali obe kotala pona koyoka lelo mituna ya bakeni pesa miano miso mitali pa Sylvie Moem. Merci Bobette Wakeba. Tous les yeux de Congolais sont fixés ici dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour connaître exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de la taxe RAM. Le ministre de Pétentic vient de faire l'économie générale de ce test pour lui, pour Frédéric Kibasa. Il a dit que c'est pour permettre... C'est pour épargner de voler les téléphones de personnes. Alors la taxe RAM n'épargne personne. Toute personne est en train de soustraire les unités et ça fait... Pour défendre cette cause des Congolais, il va avoir la parole. C'est presque toute la salle. Le perchoir du président de l'Assemblée nationale pour prendre la parole et poser des questions au ministre de Pétentic, Frédéric Kibasa-Baliba, qui va, après les préoccupations du peuple, peut-être, il va demander 48 heures ou bien il va répondre directement. Nous le saurons d'un moment à l'autre, mais nous attendons que le président de l'Assemblée nationale donne les go pour que les débats soient ouverts pour cette question de la taxe RAM Bobette Wakeba. Sylvie Mwembo, na yoki bato mosusu balobi ete batiaka lisusu unité te na téléphone pona kobanga RAM. Alobi soki atie unité mbala moko balongoli pona yango bazwi mokano azwi ekateli akotia lisusu unité te pona kobanga bakoka kolongola RAM. Na omona likambo omoi te keza kotalisa mwa nkokosa ekokota pe na ba na ba réseau ango nde babengaka ba réseau mobile ango babengaka ngoni ba réseau eza ebele ba réseau ango wana soki bato nyonso bakomi kobanga kotia ba unité mpona kobanga RAM ebenda ba unité yango moi teke bakokota nde bolobaka yango na kokota li français perte kekotela bango te. Moi-même j'étais victime il y a deux jours passés. J'ai rechargé mes unités, mais à la fin on m'a piqué. La RAM me dit que non, j'ai payé, mais donc, je ne comprends pas tout ça. Alors aujourd'hui, le ministre de Pétentic, comme la représentation nationale qui représente la population congolaise, va pouvoir poser cette question au ministre de Pétentic qui doit... Non, vraiment, il doit répondre à cette préoccupation. Bébé doit que dire de cette population qui sont au fin fond avec une maman là qui ne vend que de bois. Il peut recharger à une unité 2000 ou 3000 francs congolais. Et puis la tasse RAM dit que non, bakati maman ana. Et puis il y a beaucoup de kama. RAM ango et l'ongo la randa mbouté. Sans avoir une yongo, unité. Unité à 1 dollar à Zuignon, sautique à l'autre côté. Blodette, au lobby, il n'est pas dans le Cambodge. Mbuta qui passe, il n'est pas là, Mbuta lui a dit qu'il était là, Mambouya, Alona, Alo, mais quand tu as connu ta Samna Koutengula, Wamoutin, Wakazenaka, Mbongo Yaram. Quand si ba député metuba mambu nyoso metuba ina bao bakela kundima ve pamba ve yan metuba na ba téléphone à 3G yan kezenga ka ba dollar tsambwa du topé 7 dollars yake mingi kana betume mona ba mama betuke salaire bilanga kuna na Congo central mingi na kinzambwete na maduda betume kwenda kuna na kenge na bandundu ba mama ke salaire bilanga kana yan metula ba unité sa na kubokila ba mpangi na kina kitsasa quand si ba ama sumba ba unité ya 1000 francs mutindu
mbuta lui elle metuba ba okezenga ka $7 $7 yekele mbongo mingi jambo yake la kupesa mpasi mingi na peuple congolais na ya ukangu ina kotaka au na kata nje bisalu ya ensemble national ba okena kutula makelele ba metuba mbuta lui ba mambo kena kutuba yake pasi mingi kasi ba député peme vutu be yivula yandi mbongo ina nyonso ba kezenga ka ya rami yake kuendaka wapi yani fona monisa ba na banki nini ba kidundaka mbongo ina nyonso banda diambu ya yaram bandaka ya mesala bangonda tsambodi na ngonda tsambodi ba meivula yandi ndalwa mbongo kele ikwa ina yandi melunda deja banda babandaka mambu ya ram na yau beto na beno betukelanda yani ke futuka diaka samna kutengola wa mutindu ba mambu ina kansi beto mekatuka kubanka mosi ya nzonzi na beto honorable mekuiza yandi ke kuiza uzabisa beto samna yandi na mamambu nyoso ina de mbuta lio metuba tope mbuta kibasa meka tuka kutubida beto na mutindu yani metuba bakena kuzenga taxi na $7 yandi pesa beto dibanza na yandi mutindu yandi memo nina betoke na ntwala beto betoke na ntwala beto honorable Jean-Claude Braza yani metuba yani pe yakena dibanza na yandi na mutindu minisa metuba betoke landa yandi. Honorable député, chers collègues, nous avons 76 intervenants, 76